Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'exploser très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter une à deux fois par jour sur la map classique sans level tous les jours pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map, le code sera en description, en commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui nous aident. Alors ensuite, pour le code de cette map, de ce glitch, de cette vidéo, ce sera le 4 9 3 6 3 9 0 9 4 1 0 8. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Vous lancez la map en privé, pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire. Mais ça soutient à fond la chaîne, et il faut savoir que le code s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc voilà, quand vous arrivez dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Option, Menu, Lancer le jeu. Et là, vous allez attendre 10 minutes pour gagner plus d'XP. Vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes, mais si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Hein, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous attendez 10 minutes, bah là, vous aurez sûrement beaucoup plus d'XP que si vous n'aurez pas attendu. Donc voilà, moi, je vous conseille d'attendre, mais ce n'est pas obligatoire. Bon, moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est d'attendre les 10 minutes et ensuite, je vous montre le glitch. Ok, donc là j'ai bientôt attendu les 10 minutes. Donc 4, 3, 2, 1. Normalement je vais avoir un bonus d'XP. Voilà, j'ai un bonus de 8000 XP. Alors ce que vous allez faire maintenant, c'est ici à côté du code créateur, vous allez aller dans le coin. Vous allez calculer 1 carré, 2 carrés, 3 carrés. Vous calculez 3 carrés en partant du coin. Ensuite 2 carrés. Et là vous allez construire une rampe à partir du deuxième carré. Ok? Donc, troisième carré, deux carrés. Okay. Ensuite, vous construisez six rampes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampes. Ensuite, un plat. Ici, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire dès que vous allez arriver sur ce plat. Ensuite, au fond à gauche de ce plat, donc regardez la construction, hop, fond à gauche, ici, vous avez un bouton interagir. Vous interagissez avec, ça vous téléporte dans un aéronef. Ce que vous allez faire, c'est vous diriger vers l'écran rouge, enfin orange, juste ici. Ensuite, vous regardez les serveurs, il y a un bouton, au total il y a 10 boutons, donc il y a un bouton à gauche, ici, vous interagissez avec, ensuite vous interagissez avec celui de droite, voilà, ensuite vous retournez, vous interagissez avec celui qui est au milieu ici, ensuite vous sautez, là on est déjà à plus de 100 000, hein. 130 000, hop, vous cliquez, hop, vous cliquez sur celui qui est à gauche et à droite là, donc là on est déjà à 200 000, hein. 220 000. Là aussi, près des piquets, il y a encore des boutons. Voilà. Normalement, il y en a un bouton ici à gauche aussi. Ah non, c'était juste à droite. Ok. Ensuite, il y en a un ici en haut de l'escalier. Vous interagissez avec. Ensuite, quand vous descendez, vous allez ici près des fenêtres. Hop, vous interagissez avec ces deux-là. Et là, vous interagissez avec le dernier qui se trouve là. Donc là, on a gagné franchement 300 000, voire même plus. Hein. Ça se tombe, on a gagné 400 000 XP super rapidement. Donc là, franchement, 400 000 XP en un seul glitch, c'est juste hallucinant. Et encore, c'est pas fini. Parce que quand vous avez terminé d'appuyer sur tous les boutons, vous pouvez revenir en arrière et hein, voir s'il y a encore des boutons à interagir. Vous réinteragissez avec tous les boutons qui sont encore disponibles. Mais quand vous avez interagi avec tous les boutons, vous faites option menu réapparaître. Ok. Et là, vous allez vers l'XP Shop. Voilà, vous interagissez avec le bouton XP Shop. Ici, vous avez un bouton que vous allez pouvoir interagir avec, donc en illimité. Donc, si vous avez un autocliqueur, ben, ça va vous gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc, plus vous allez spammer, plus vous allez gagner. Ici, vous avez des serveurs que vous allez pouvoir détruire, qui vont vous donner des XP. Donc, je vais les détruire pour voir combien d'XP ça me donne. C'est parti. Alors vous pouvez vous coller si vous vous collez contre le serveur, vous allez tout le temps toucher le point faible, donc ça vous aidera à détruire le serveur plus rapidement. Ok, donc là j'ai bientôt fini, hop, et celui-là me donne 7500 XP, donc on va casser le deuxième pour voir combien d'XP ça va me donner. Ok, donc j'ai bientôt fini de détruire le deuxième, et le deuxième me donne 6600, donc on va casser le troisième.
Ok, donc j'ai bientôt fini de détruire le troisième. Et le troisième me donne 8500. Alors ici, vous avez un bot. Et ce bot aussi vous donne des XP. Donc regardez, à chaque fois que je le tue, ça me donne 156 d'XP. Donc ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement bloquer un élastique. Donc vous mettez un élastique sur votre touche. Comme ça, votre personnage va tuer le bot en illimité sans que vous ayez rien à faire. Donc là aussi, c'est un petit glitch AFK. Alors ici, il y a un autre glitch AFK. Donc pour le rendre en AFK, ce que vous faites, c'est que vous mettez une rampe. Ensuite, vous modifiez la rampe, vous l'inversez. Voilà, comme ceci. Et là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement avancer vers la rampe en mettant votre course automatique. Donc, vous appuyez sur le bouton tactile pour que votre personnage court en automatique. Donc là, la course automatique s'est enclenchée. Bon, par contre, elle n'est pas trop bien mise. Regardez un peu plus vers la droite. Voilà, là c'est bien mis. Toutes les secondes, là, je vais gagner des XP. Donc, regardez en haut à droite, mes XP sont en train de diminuer de 40 par 40. 40, voire 50 par 50. Donc, c'est assez rentable. Donc ça aussi, c'est un autre glitch d'XP en AFK. Alors ici, vous avez un bouton que vous pouvez uniquement appuyer dessus si vous avez attendu 10 minutes dans la map. Donc là, je vais appuyer dessus. Donc par contre, ça prend plus ou moins 30 secondes avant que l'XP ne tombe. Donc je vais attendre 30 secondes. Ok, donc là, j'ai bientôt terminé. Voilà, et là, ça me donne 10 000 XP sur le bouton de 10 minutes. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour gagner des XP en AFK, soit le rebondisseur, soit le bonhomme que vous tuez en illimité, ou soit vous appuyez ici en illimité avec un autocliqueur, mais il faut un autocliqueur, donc ceux qui sont sur PC, ils savent sûrement de quoi je parle, mais sinon sur console, c'est un peu plus compliqué, sauf si vous avez un strike pack ou un rapid fire. Alors il y a un autre truc aussi qui vous donne des XP, c'est en interagissant avec le reset build, ça vous donne 200 d'XP, voilà, c'est un petit plus, 300 d'XP même. Voilà, vous interagissez avec le reset build. Ça, vous tournez en rond, ça vous donne des XP aussi. Alors, je vais calculer combien d'XP j'ai gagné dans cette vidéo. Alors, j'ai commencé la vidéo, j'étais niveau 10. Vous pouvez regarder, hein, vous regardez en début de vidéo, j'étais niveau 10. Et là, je suis niveau 7. Je suis niveau 17 plutôt. Donc, j'ai gagné 7 niveaux. Donc, si je fais 7 fois 80 000 XP, hein, je crois. 80 000, ça fait qu'on a gagné 560 000 XP en un seul glitch. Alors, il faut savoir que si vous voulez continuer à gagner des XP, bah, soit vous relancez la map, hein, vous arrêtez le jeu, vous relancez le jeu et vous recommencez le glitch en illimité pour gagner plus d'XP, ou soit vous utilisez la technique secrète qui vous permet de gagner 5 fois plus d'XP qui est en description, en commentaire épinglé. Donc, c'est une technique secrète qui fonctionne sur tous les glitches de Fortnite. Donc, vous préparez le glitch, vous faites la technique secrète et ensuite vous faites le glitch. Là, j'ai gagné 7 niveaux, donc si je gagnerais 5 fois plus. Ça fait, cette fois, ça fait 35 niveaux, j'aurais gagné 35 niveaux en un seul glitch avec ce compte si j'aurais fait la technique secrète. Donc si vous ne connaissez pas la technique secrète, elle sera en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bro. Yummy, bro.